Et nous sommes toujours à Lyon pour le Salon des Entrepreneurs. Avec nous, Armand Gicot, vous êtes business developer de Razors. Alors c'est Razors, ça. Si j'ai bien compris, c'est une plateforme de crowdfunding en equity. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire ? Donc c'est une plateforme qui permet à des entreprises de lever des fonds. Et donc c'est de la prise de participation au capital. Donc c'est des entreprises qui sont innovantes et qui ont un besoin de financement entre 50 000 euros et 1 million d'euros. Et donc toutes les personnes qui vont participer à cet investissement deviennent actionnaires de l'entreprise. C'est-à-dire que voilà, la différence de Kickstarter, il n'y a pas de goodies derrière, on ne gagne pas un t-shirt. Voilà, c'est pas du don, c'est pas de la récompense. Ouais, d'accord. Comment est-ce qu'elle est née cette idée ? Alors en fait c'est... Même si elle a l'air évidente. Alors en fait c'est les fondateurs qui sont Grégoire Linder et Maxime Palin qui ont eux-mêmes voulu créer une entreprise, qui sont allés voir les banques et malheureusement on leur a dit votre projet il est super mais il faut que vous mettiez votre maison en caution. Enfin du coup c'est très très compliqué pour eux de trouver des financements et ils se sont dit que voilà il faut trouver une manière alternative de financer ces projets. Vous existez depuis plus d'un an, c'est plus ça ? Plus d'un an, oui, et la plateforme est officiellement en ligne depuis janvier 2015. Mmh. On a déjà financé deux projets, une application mobile dans le vin qui s'appelle Tagowine et un e-commerçant de champagne de vigneron qui s'appelle Ambassade du Champagne. Et aujourd'hui... Oui. Qu'on connaît bien, que vous connaissez, qui sont déjà passés par notre plateau de We Do Biz sur le Salon des Entrepreneurs de Paris d'ailleurs. D'accord. Et justement, eux... Comment ont-ils fait pour se différencier, pour réussir à capter l'attention des investisseurs ? Alors, parce que j'imagine que tout le monde ne réussit pas à lever des fonds. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il y a des critères de sélection qui sont importants pour nous. Oui. Premièrement, c'est le caractère innovant ou différenciant. Comment on se différencie de la concurrence et comment notre projet est vraiment différenciant. Deuxièmement, l'équipe. Il faut que ça soit une équipe qui soit solide, il faut qu'il y ait une partie vraiment commerciale, une partie ingénieure. Donc voilà, une équipe. Et ensuite, la preuve du concept. Est-ce que cette entreprise a rencontré son marché et est-ce qu'il y a déjà du chiffre d'affaires ? Est-ce qu'ils ont déjà éprouvé le business model ? Voilà, exactement. C'est ça. Et c'est à partir de ce moment que nous, on est intéressés et qu'on finance ces entreprises. Et concrètement, ambassade du Champagne, comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir ? C'est-à-dire, ils ont fait une belle vidéo, ils ont fait... C'était quoi ? Alors, la vidéo, c'est vrai que c'est important parce qu'on est quand même sur de l'investissement dématérialisé. Donc, il faut avoir le côté humain. On investit avant tout dans des entrepreneurs. Donc, une vidéo, ouais, c'est important. Ensuite, nous, ce qu'on met vraiment en avant, c'est du crowdfunding, c'est avant tout une campagne de communication. Donc, nous, on va élaborer avec l'entrepreneur en amont tout le contenu qu'on va diffuser sur la plateforme. Il y a une différence entre le business plan et le contenu. Il faut que monsieur et madame tout le monde, quand ils arrivent sur la plateforme, ils soient tout de suite, ils comprennent le projet et l'intérêt d'investir. Et ensuite, tout ce plan de communication, auprès de quelle presse on va communiquer, auprès de quels investisseurs on va communiquer. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on fait en amont avec l'entrepreneur pour que ça réussisse. En tout cas, une chose est sûre, entrepreneur, mettez-vous en avant pour lever des fonds. C'est ça la chose la plus importante. Merci à vous, Armand Gicot. Je le rappelle, vous êtes business developer chez Razors. Et nous sommes ici à Lyon pour le Salon des Entrepreneurs édition 2015 en partenariat avec Upfi.fr. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci.